Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de chez Gutfeld, l'unboxing du mois de décembre, puisque ils m'ont demandé si je voulais choisir des articles pour le mois de décembre. Donc j'ai commandé ça il y a une dizaine de jours et je les ai reçus aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est mardi 1er décembre. Voilà, on entame le mois des réjouissances, comme on dit. Et donc, je vais découvrir avec vous ce que j'ai choisi sur le site de chez Gutfeld. Alors, voilà, c'est le mois de Noël. Si je ne mets pas le set de table de Noël, ce n'est pas à Pâques que je vais le mettre. Hein. Voilà. Tout ce mois-ci, je vais faire l'effort. Faire l'effort, c'est pas ça. Faire l'effort de penser à mettre le petit set de table. Alors, j'ai pas mal de choses. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, j'en ai ouvert un pour savoir, avant de faire la vidéo, que c'était bien de chez Gutfeld. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, chez Gutfeld, il y a une super offre. Voilà, vous achetez 3DP. 4DP, vous avez le cinquième offert, ou 3DP, le quatrième offert, je ne sais plus, je viens de voir, mais je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est ça. Vous avez, en tout cas, vous avez un diamond painting d'offert. Alors, le premier. Alors, c'est tous des diamants ronds. Hein. Vous n'aurez pas de surprise là-dessus. À ma connaissance, il n'y a pas de petite poupette de collection. De toute façon, vous savez que ça y est, la pochette des poupettes est fermée. J'attends que vous participiez à me dire le nombre de poupettes que vous croyez qu'il y a dans la pochette. Voilà. Mais là, les poupettes, même si je reçois, vous inquiétez pas, elles ne vont pas être comptabilisées. Hein. Alors, j'avais craqué sur celui-ci. C'est à 30-40 en diamant rond. Je vais vous montrer. La photo, j'ai adoré. Alors, regardez comme il est joli. Alors, je sais pas si vous voyez, mais les symboles sont nickel. La photo est, on voit très bien. Elle est très très bien. Alors, il l'avait qu'en 30-40. J'en ai commandé un comme ça sur AliExpress, mais en 40-50. Je l'ai encore pas reçu, mais je trouve, j'adore le motif. Ces petites touches de rouge sont très jolies. Je la trouve très jolie, cette dame. Donc, il y a 15 couleurs et ce sont des diamants ronds. Alors, les diamants, je ne veux pas tous vous les déballer. Hein. Vous savez maintenant comment ça se goupille, comme on dit. Ce sont des sachets en ribambelle. Vous avez les numéros ici. Celui-ci, c'est le numéro 14. Donc, ce sera la couleur 14, ce qui correspond au G. Et le G, vous en avez plein ici. Voilà. Et ici, ce sont les références des diamants. Donc voici donc le premier que j'ai choisi, que franchement j'adore. Alors, on va le remettre. Donc voici le premier, la jolie dame. Ensuite, nous avons ça. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on va déballer. Ah, je sais ce que c'est. Oh là là, puis j'ai coupé le. C'est pas grave. Je sais ce que c'est. Donc, ils m'ont renvoyé la même. Alors, c'est une horloge. Le souci, enfin, c'est pas un souci, c'est que cette horloge, je l'avais déjà. Je l'ai faite. Mais ils m'ont envoyé, en fait, vous saviez, je l'avais faite, hein, vous l'aviez vu. On l'avait même collé ensemble. Le problème, c'est qu'il m'avait mis deux grandes aiguilles à la place d'une grande et d'une petite.
Bon, là, il y a beaucoup d'aiguilles dans celle-là, donc je pense que ça va aller. Bon, elles sont un peu tordues, mais je pense que ça va aller. Alors voilà, j'ai été interrompue. Oui, ils m'ont renvoyé les horloges, puisque dans l'horloge que j'avais faite précédemment, on n'avait que les aiguilles des minutes. Et bien évidemment, deux aiguilles des minutes, à la place d'une pour les heures et une pour les minutes. Évidemment, les aiguilles, elles étaient un petit peu perdues. Donc, je leur ai demandé un kit. Ils m'ont renvoyé une horloge. Donc, vous voyez, c'est quand même sympa. Et je viens de voir qu'il y a plein d'aiguilles. Donc, ouais, ils m'ont rajouté les aiguilles. Donc, je peux faire mes deux kits, vous voyez. Donc, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de la toile s'il manque des aiguilles. Bon. Donc là, je pourrais quand même refaire... Donc ça a pris un peu de temps parce que ils attendaient que je choisisse quelque chose pour pas m'envoyer ça tout seul, quoi. Voilà. Donc ça fait un moment que j'attendais les aiguilles. Bon, c'est pas pour un cadeau, donc il n'y a rien d'urgent. L'horloge était faite. Donc en tout cas, vous voyez, ils ont envoyé ce qui manquait, hein. Donc, ils sont, ça a pris du temps, mais ils sont sérieux. Alors, je vais pas faire comme ça va pas aller. Je vais faire comme c'était. Mais, qu'est-ce que j'ai fait des strass? Ah oui, donc là, on a les strass pour l'horloge. Voilà, vous les aviez vus, hein, ce sont exactement les mêmes. C'est dommage que c'est le même modèle, mais enfin. Pas grave, le principal c'est que j'ai mon horloge complète et puis là je pourrais en faire une deuxième, donc c'est très bien comme ça. Alors on continue, donc celui-là on le compte pas, hein, puisque c'était un manque de la dernière fois. Ah, alors celle-là, c'est un 30-40 aussi. C'est une poupette, mais différente. Alors, on a le petit kit, hein, tout simple, tout simple. Celui-là, par contre, je vais le ranger avec la dame. Voilà. Hop. Alors, celui-là, il est parce que sur Gutfeld, figurez-vous que maintenant, il y a beaucoup de petites poupettes Kokeshi. Donc, vous tapez, vous allez sur Gutfeld, je vous mettrai le lien direct de Gutfeld, et vous allez dans Poupées, et vous avez plein de Kokeshi. Alors, il y a les violettes, il y a les roses. Moi, j'en ai que deux. Il y en a une qui est prévue pour un concours, la violette, et j'ai l'autre qu'on est en train de faire avec un petit peu le beau fond qu'on voit de temps en temps. J'ai fait des petits carrés, on a fait la première ligne. Voilà, donc c'est à 30-40 en diamant rond dans les tons roses. Il est superbe. Et il a 20 couleurs. Franchement, il est trop joli. Elle est superbe, cette poupée. Donc, vous voyez, ils ont pas mal de kokeshi pour celles qui sont fans. Je vous invite à aller voir, surtout que là, ils font évidemment partie. Vous les avez à 5 euros, hein. À peu près. Ils font partie, si vous en achetez trois, vous avez le quatrième offert. Donc, elle est vraiment super jolie. Alors, oui, les strass, je ne vous ai pas montré, mais je ne vais pas vous les rouvrir. C'est exactement le même système, hein. C'est des sachets en ribambelle. On voit que c'est des diamants ronds. Et puis, bah, les couleurs. On a pas mal de framboises, de roses, de violets, de bordeaux, de couleur beige, un peu marron clair, des jolis tons dans les tons roses. Donc, je vais me régaler. On poursuit. J'en ai encore deux à déballer. Désolée pour le bruit. Alors ça m'a l'air d'être un petit. Ah, oui, figurez-vous que j'avais commandé, voilà pourquoi ça a merdouillé, j'avais commandé une kokeshi qui était en rupture de stock, et à la place de la kokeshi, ils m'ont envoyé ce diamond painting, et quand j'ai vu ma commande, je me suis dit, zut, t'as pas choisi un, t'as pas dû choisir un pan, parce que je pense que c'est un pan,
Et c'est là qu'ils m'ont dit, comme il n'y avait plus de kokeshi, on vous a mis le paon. Moi, j'ai dit, ben moi, le paon, ça ne m'intéresse pas. Et je leur ai dit, ben laissez-moi choisir une autre kokeshi. Et ils m'ont quand même mis le paon. Sachant que la kokeshi, je l'ai puisque c'est la rose. Donc, c'est à 30-30. Il a 16 couleurs. Donc, celui-ci. Ah, il a le kit avec les petits sachets zippés. Donc, ça, c'est bien. Il est très joli, hein? Très, très joli, hein? C'est un 30-30. Donc, il est carré. Il a 19 couleurs. Et il a, c'est un partiel. Oui, et il a plein, plein, plein de strass spéciaux. Ah, il est magnifique. Franchement, il est très joli. Donc, ce DP-là partira en cadeau. Quand, à qui, on ne sait pas. Mais ce sera pour un cadeau. Donc, je ne vous montre pas les strass. Je ne vais pas ouvrir parce que je ne serai pas capable de les remettre correctement dans l'emballage. Donc là, je vais les remettre dans celui-là. Voilà, le joli pan. En 30-30. Et le dernier. Là, le sachet est vide. Je ne sais pas, c'est la surprise. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Peut-être une poupée, finalement. Ah non, ah, non, non, non. Ça, c'est pour ma petite mémère. C'est pour Irina. C'est un 30-40. Et je vais vous montrer qui c'est. C'est une petite mini en vitrail. Voilà, je l'ai trouvée. Ça brille. Hein. Ici, on la voit très bien. Je l'ai trouvée super jolie. Alors, elle a 20 couleurs. La voici. On la voit beaucoup, hein. Il y en a plein de vitraux. Mais vraiment, Mini, elle m'a vraiment botté. Elle est très, très jolie. Donc, ce sont évidemment des diamants ronds. Celui-là, je vais vous l'ouvrir parce que je sais que je vais le garder. Même si je ne remets pas comme il faut. C'est pas grave. Alors, ça c'est du blanc. On a du marron, on a du framboise. Ils sont très jolis. Donc vous voyez, vous avez les numéros. Hein. On a du noir, on a du marron. Je vais mettre dans ce sens-là. Désolée pour le bruit. Du gris clair, du gris foncé, un autre gris, du marron clair. On a un beau turquoise là. On a un petit rose pâle. On a un vert cacadois. On a un vert un peu plus foncé, un vert militaire, on dirait. Un bleu marine, un rose, un bleu clair, un rose. Un rose, un vieux rose, un beau bleu, cyan, et c'est quoi? Un rouge, puis un petit blanc là. Voilà, donc les couleurs sont très jolies. Il y en a beaucoup, beaucoup parce que oh, casse les oreilles parce que comme c'est vitrail, c'est vraiment à part les bords où c'est toute la même couleur. Là, je peux vous dire que. On va s'amuser. Bon, les diamants sont. Enfin, les symboles sont très bien faits. Ça, j'ai pas. C'est très très bien. Donc, on aura un espèce de petit cadre noir tout autour. Et. Ouais, moi, il me plaît bien. Hein. Il est joli. Donc, la toile, on voit que. Même pas la peine de regarder, ça colle super bien. Et bien, moi, je la trouve super jolie.
cette petite mini. Elle me plaît beaucoup. Alors, on va la remballer jusqu'à la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, je pense que ce sera en janvier, hein, puisque là, décembre, c'est un peu les dépêches de Noël. Peut-être qu'on en commencera un autre. Mais je voudrais vraiment finir justement la poupée personnalisée de chez Gutfeld et vous présenter la nouvelle poupée personnalisée que Gutfeld m'a envoyée. Donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. En tout cas, vous voyez, s'il manque quelque chose, vous les contactez et ils vous renvoient. Vous voyez, ils auraient pu me renvoyer avec les aiguilles. Ils m'ont tout renvoyé. Hein. Donc franchement, ils sont. Ouais, ils auraient pu envoyer que ce qui manquait. Mais ils ont envoyé l'horloge, comme ça je peux faire deux kits, puisqu'en plus, ils ont envoyé plus d'aiguilles. Comme ça, il ne m'en manquera pas et je pourrai faire mes deux belles horloges. Voilà, donc l'unboxing est terminé. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!